je vais te parler de quelque chose d'important. Quelque chose qui me concerne d'ailleurs, parce que c'est pas pour rien aussi que j'ai beaucoup de mal finalement à être dans les maisons. C'est parce qu'en fait, moi j'ai souvent constaté en étant dans les maisons, une espèce de saturation, de stress, de mal-être, de fatigue, impossibilité de bien dormir la nuit. Et je pense que si toi tu es dans ce cas-là, si tu as ce sentiment de mal dormir, de te sentir pas bien, de te poser plein de questions, de te dire peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait, peut-être que voilà, tu te remets en question continuellement, tu t'auto-psychanalyses, aujourd'hui on s'auto-psychanalyse continuellement. Mais en fait, c'est peut-être parce que tu es perturbé par quelque chose que tu n'as pas conscience finalement, mais qui te perturbe, c'est toutes ces ondes Wi-Fi qu'il y a dans les maisons, toute l'électricité qui est dans les installations, qui dégage, qui émane une énergie qui nous fatigue, on ne s'en rend pas compte, mais même les prises électriques, même toutes ces choses-là. Donc si on habite dans des appartements, des bâtiments, c'est encore pire parce qu'il y a, y a tout complexe complet qui va te fatiguer. Ce que je veux dire par là, c'est que moi personnellement, je suis très sensible à ce genre d'énergie néfaste dans tout ce qui est domestique, dans toutes les maisons. Et il arrive à un moment donné, j'ai excessivement mal à la tête, je suis pris même de palpitations. Et tout ça a été prouvé que les ondes, en fait, ces ondes-là, nous dérangent. Et effectivement, depuis que je vis cette expérience de vivre sur le terrain avec le camping-car, voilà, et bien je m'aperçois finalement que j'ai plus ce problème, que j'ai un sommeil réparateur, que je me sens bien, détendu. Il n'y a pas ici d'électricité, il n'y a absolument rien, à des kilomètres. Il n'y a pas d'onde. Alors moi, j'ai un téléphone portable, bien sûr, mais je l'éteins un maximum. Je m'en sers quand c'est utile pour faire cette vidéo. Voilà. Mais sinon, je ne dors pas avec le téléphone près de moi. Faites attention à ça. Il y a des gens qui dorment. Il y a les gosses. Franchement, ils dorment avec, quoi. Ils les mettent sous le coussin. Déjà, c'est super dangereux parce que rien que le lithium, ça a tendance à des fois à dérailler. Ça peut s'enflammer ou exploser. Les batteries de téléphone, mais en plus il y a le côté dangereux du fait qu'il dégage continuellement des ondes. Donc si vous vous sentez mal, si vous avez mal à la tête, si vous avez ce sentiment d'avoir envie de partir de chez vous, d'être pas à l'aise, c'est pas vrai, je suis toujours en train de prendre des cachets, du Doliprane, ça va pas, j'arrive pas à dormir, il faut que je prenne des anxiolytiques, faut que je prenne des... Donc je crois que avant même de te dire, il y a quelque chose qui va pas, je suis pas bien, ça cloche, il faut que j'aille me faire suivre. Commence par te retirer dans la nature, de passer une journée, si possible une nuit, de pouvoir te rendre compte véritablement que si c'est vraiment toi qui as un problème ou si c'est vraiment le contexte de tout ça qui est un problème pour toi. Parce que moi, c'est ce que je me suis aperçu, je m'aperçois que quand des fois je retourne dans des maisons, pour la famille, ou. Ben, je m'aperçois que je suis mal, ça va pas, il y a un étouffement, il y a quelque chose qui cloche, je flippe, je suis pas bien. Et finalement, je pense que c'est lié à toutes ces ondes. Alors, je pense que j'ai effectivement un côté électrosensible, tous ces gens qui sont électrosensibles. Et il y a même des gens qui ne supportent pas du tout, c'est carrément invivable, il faut qu'ils quittent les lieux. Enfin, moi, je pense pas que je suis à un degré très fort, mais suffisamment pour qu'au bout de quelques jours, j'ai qu'une envie, c'est prendre les clés du camping-car et m'en aller. Voilà. Il y a un moment donné, j'ai qu'une envie, c'est me sauver. Donc cette vidéo, en fait, elle est pour toi, pour te poser des questions, pour te remettre en fait en question dans le bon sens, et pas forcément te dire j'ai un problème, je suis en train de devenir dingue, j'arrive pas dans cette vie, je me sens pas. Oui, si tu as ce sentiment où tu te sens pas à l'aise. Quitte un petit peu toute cette modernité, éloigne-toi des villes, mets-toi dans la nature, comme là, tu vois, mets-toi dans la nature et détends-toi. Tu t'assois, tu touches l'herbe. Voilà, des fois, moi, je m'assois, comme ça, je touche l'herbe et je me calme. Tu vois, voilà, tout simplement. Voilà, je tiens le téléphone, mais je m'assois en fait, position yoga en fait, et je pose les deux mains par terre et je m'apaise, je me calme. Stop. Ça suffit. On arrête de réfléchir, on arrête de s'auto-psychanalyser. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai pas fait de ma vie? On se calme, on se fout un peu la paix. Et si tu fais ça,
tu restes dans la nature et que tu vas sentir les bonnes ondes de la nature qui vont t'imprégner, tu vas te sentir tellement bien que tu vas dire, mais en fait, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est que je suis stressé d'un système devenu une obsession où il nous faut de la Wi-Fi, de l'électricité à gogo, un confort qui est confortable, effectivement, mais qui est néfaste à la fois. Donc, je t'invite vraiment à te retirer dans la nature, même pas forcément vivre continuellement comme moi je le fais, mais de passer un jour ou deux seul, hein, un petit peu tranquille, ou avec quelqu'un qui ne va pas te saturer, qui ne va pas te, voilà, qui va pas te perturber, si c'est quelqu'un de calme, qui va te faire du bien, et tu lâches la pression. Et tu vas t'apercevoir, comme moi, je pense, qu'en fait, toute cette énergie néfaste, tout ce wifi qui nous bombarde à travers les téléphones, les box, les maisons de chaque personne, les voisins qui envoient aussi, et l'électricité domestique qui envoie, parce que toute l'installation en fait irradie une certaine énergie, ça se calcule avec des appareils. Hein. Eh bien, tiens, une petite grenouille qui est juste devant moi là. Et ben, tu vas t'apercevoir en fait que c'est ça ton problème et que c'est pas toi qui pars en sucette, comme on dit, qui déraille, c'est qu'en fait tout ce qui est autour de toi te fait dérailler et que t'as qu'une envie, c'est être en paix. Sur ça, je vais vous montrer ma copine à grenouille et je vous dis, soyez zen, prenez le temps de vivre et détendez-vous. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner pour qu'on reste en contact et puis mettre un petit commentaire de ce que tu ressens. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont m'écrire effectivement mon problème. C'est cette énergie qui me sature et qui m'empêche de vivre, de dormir et qui me stresse. Sur ce, je te montre la petite grenouille qui est juste là. J'ai pas fait du tout exprès. J'ai vu sauter. Une toute petite grenouille, peut-être un petit crapaud. Je sais pas trop. Je crois qu'il a attrapé un petit truc à manger. Oups. Voilà. On se voit bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de penser à vous, de vous détendre et de ne pas être dans un cercle qui vous atteint finalement et qui vous éloigne de ce que vous êtes.